la chaîne de Miss en Mister à peu près. Mais voilà, un goût de poussette, après une péripétie sur le secteur de Balbigny où il y avait trop de courant, je ne pouvais pas pêcher, la Loire est encore en crue. Donc j'ai fait un petit détour et me voilà au bord de l'eau, il y a un petit vent frais, je vais m'installer et j'espère que le poisson sera là, on verra bien. Je vais vous faire voir mon amorce. Aujourd'hui, j'ai utilisé de la lake et un paquet de gros gardons. Peut-être que je mettrai un peu de colorant noir ou de la terre dedans, je ne sais pas encore, je verrai. Voilà, allez, je vais m'installer et je vais vous faire voir tout ça en avant. Bon ben voilà pour le bac, hein, une bonne magique. Hein. Une 5-7 lake, une 3000 gardons. Et puis voilà, en avant pour la musique. Hein. Et ben voilà installé, donc mes terreaux, des multicolores, un reste de mélanger, des rubis, du maïs mouliné avec des castères. Mon amorce, finalement j'ai mis un peu de terre pour l'assombrir et le dégorgeoir, j'espère que je vais m'en servir. Donc je vais pêcher avec la slim distance là pour l'essayer. Hein. Et puis malgré tout j'ai pris une slim compétition 80 grammes, plus légère parce que la slim distance quand même elle est un peu puissante. Voilà la première, hein. C'est parti. Alors là maintenant je vais mettre le sillon distance 0,75 ose pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence de la lecture de la touche. Alors, c'est qui, The King of Ablette? C'est moi! Thank you.
Alors depuis tout à l'heure j'utilise cet hameçon et là j'arrête pas de rater des touches, donc je vais mettre celui-ci à la place et je suis sûr que ça va changer, ça va faire la différence. Voilà, donc c'est bien ce que je pensais, un hameçon plus gros et je les rate moins. Voilà, enfin c'est que le premier, hein, mais je pense que ça va continuer. Hein. Voilà, donc j'ai mis un hameçon plus gros et j'ai pas raté la touche. Bon, j'espère que vous allez m'entendre, mais bon voilà, je voulais vous faire voir la particularité des sions de la Slim Distance. Hein, que j'ai utilisé aujourd'hui pour la tester. C'est pas vraiment les bonnes conditions pour la tester parce que je pèse à 30 mètres, mais j'avais vraiment envie de l'essayer. Voilà, son creux sur les deux premiers anneaux, et puis après c'est du rigide. Voilà. Alors, je vais balancer une belle cage pleine de bouffe, pleine de noix. Je vais lancer une belle cage pleine d'asticots. Voilà pour nourrir ces braves poissons. Voilà les copains, c'est l'heure de plier. J'espère que le vent va pas trop me gêner pour causer. Et ben voilà, j'ai fait une belle pêche, hein, je me suis bien marré, vous avez vu. Bon, j'ai pété quand même 3 montages complets, j'ai laissé 30 mètres de tresse au fond là. Voilà, c'est comme ça. Hein. Je connais pas toujours les endroits où je vais pêcher. Enfin, je connais pas tous les postes où je vais pêcher, donc voilà, hein, il a bien fallu que je cherche. Hein. Donc j'ai décalé un peu sur la droite, mais j'ai accroché quand même quelques fois. Voilà, bah en tout cas je me suis bien amusé. N'oubliez pas d'aller vous inscrire sur Rivière Feeder et compagnie. N'oubliez pas aussi d'aller lire les beaux articles de pêchefeeder.com. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle pêche.